enveloppe de 12,5 milliards en vue de préserver la cohésion sociale, c'est-à-dire la capacité d'une société à assurer le bien-être de tous ses membres, à minimiser les disparités et à éviter la polarisation. À toutes ces étapes de la mise en œuvre de ces aides sociales, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais extérieurs, sous la direction du ministre Amadouba, a eu pour méthodologie de répondre de façon ciblée et avec efficacité aux préoccupations de nos compatriotes dans la cohérence des actions, la transparence, l'équité, la célérité, sans omettre le principe de la reddition des comptes. Cet exemple permet de montrer la suite. La gouvernance des affaires publiques relève d'un ensemble de pratiques au cœur desquelles l'efficience dans la gestion des affaires publiques et collectives doit être de mise. La gouvernance n'est pas une communication. Elle se pratique. Elle ne se décrète pas. Elle s'applique. Elle est un principe essentiel du fonctionnement démocratique de nos sociétés. Elle guide ainsi l'action et les politiques publiques, devenant de ce fait un élément essentiel pour l'implication et la responsabilisation de toutes les parties prenantes. Elle est un gage pour l'action solitaire et permet ainsi de garantir la gestion collective des affaires qui concernent.